Comment savoir si mon ex me ment? Alors, bien souvent, dans une reconquête amoureuse, vous avez l'impression que votre ex ne vous dit pas la vérité, que votre ex vous ment. Déjà, ça commence par les causes de la séparation. Il est très fréquent qu'un ex ne dévoile pas les véritables raisons qui ont poussé à rompre. Parce que par bienveillance, par peur de froisser, par peur de réaction, parfois même par lâcheté, bref, bien souvent, votre ex ne vous dira pas la vérité sur les véritables causes de la séparation, mais également il arrive parfois que votre ex ne vous dise pas qu'il ou elle est quelqu'un. Donc, comment savoir justement si votre ex vous ment? Alors, je vous en ai parlé un petit peu, c'est comprendre pourquoi votre ex vous ment. Bien souvent, ce n'est pas par méchanceté, ce n'est pas par manipulation, c'est bien souvent que votre ex n'a pas envie de se justifier, votre ex n'a pas envie de vous blesser, et également que votre ex peut avoir peur de vos réactions. Donc c'est dans ce cadre-là que votre ex ne vous dit pas forcément la vérité. Donc pour savoir si votre ex vous ment, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est regarder son langage corporel, sa voix. Finalement, lorsqu'on ment, notre langage corporel parle bien souvent de nous-mêmes. Que ce soit le regard, la posture, même la tonalité ou la musicalité de la voix. Bref, vous allez avoir tout un tas d'éléments qui vont vous montrer que votre ex vous ment. Bien souvent également, écoutez votre instinct ou votre petite voix. Bien souvent, votre instinct ou votre petite voix va vous dire que inconsciemment quelque chose cloche, qu'il y a quelque chose qui n'est pas sincère, qui n'est pas authentique dans ce que vous dit votre ex. Donc, si vous n'avez pas d'insécurité particulière, mais que vous sentez que quelque chose cloche, que quelque chose n'est pas normal, c'est qu'il y a de fortes chances que justement, soit le langage corporel de votre ex, soit la tonalité de la voix, soit les arguments qu'a donné justement votre ex ou son regard vous mentionne que quelque chose cloche et donc forcément que votre ex vous ment. La deuxième chose qui permet de voir qu'un ex ment, c'est l'absence de cohérence et l'absence de détails. Forcément, quand on ment, on va au plus simple, on va simplifier l'histoire que l'on est en train de raconter. Également, il va y avoir une absence de cohérence. Lorsqu'on ment, généralement, on ne se souvient pas des détails ou des éléments que l'on a donnés. Donc, lorsque vous allez revenir quelques temps plus tard, quelques semaines, quelques mois plus tard, vous verrez que la version a changé ou que cette personne ne va pas comprendre ce que vous lui dites puisqu'elle aura oublié son mensonge. Dans ce cadre-là, vous pouvez même changer juste quelques détails, un lieu, un horaire, des personnes présentes, et vous allez voir si votre ex vous reprend ou non. Et enfin, c'est bien souvent la stratégie de la table renversée ou de la culpabilisation. Bien souvent, la personne qui ment va vous faire culpabiliser, même pris la main dans le sac. La personne va vous dire que ben non, c'est vous qui êtes fou, que la réalité, ce que vous venez de voir, ce que vous venez de comprendre, ce n'est pas la réalité. Donc, si votre ex essaye de vous faire culpabiliser ou la stratégie de la table renversée, c'est-à-dire lorsqu'on s'est fait pris la main dans le sac, il n'y a qu'une solution, c'est de renverser la table et donc se mettre en colère, faire de la culpabilisation. Ça encore, lorsque vous avez ce cas-là, c'est que bien souvent, c'est votre ex qui vous ment. Encore une fois, lorsque vous n'avez pas d'insécurité, mais je peux vous assurer que même certains ou certaines pris la main dans le sac vont vous dire que c'est vous qui n'avez pas bien compris. Finalement, vont vous faire culpabiliser. Allez, messieurs, dames, on vient de voir comment savoir si votre ex vous ment. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt avec James D.